Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I've been copping it, washing it. About to go and get some hot women popping up on those hot things. Allô? Ah, pas grand chose. Je comptais écouter la TV, ben tranquille, là. Ok, parfait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, tu laisses la télévision, j'ai des plans pour toi. J'ai une des amies à ma blonde à te présenter. Oh non, tu sais que j'aille ça me faire présenter des filles. Je suis tanné de te voir tout seul. C'est même pas une question. Tu viens ce soir, 19h, au bistrot de ma tante. Passe-temps? Je lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup. La bibliothèque, j'y suis tout le temps. La lecture, c'est ma passion. Puis, autre que l'école? Je lis tout le temps. Pis Oli, ah, c'est pas grave, je vais t'en trouver une autre. Ouais, je vais prendre le steak, t'en vas. C'est toi que j'aimerais dévorer tout cru, mon beau. Oui, allô? Pis, c'était comment? Ah, ouais. J'aurais dû passer. Ok, inquiète-toi pas. Je t'en trouve une autre. T'es-tu en quoi? Okay. Est-ce que ça t'arrive de parler des fois ou... Ouais, Dave? Ouais, non, c'était horrible. Écoute, je pense vraiment pas que c'est fait pour moi l'histoire de rencontre de filles. Non, désolé. Non, mais... Ouais, je vais prendre le hamburger. Pardon? C'est quoi ton problème de commander un hamburger? Tu penses pas à la pauvre petite vache assassinée qui a entre tes deux tranches de pain? Tueur d'animaux! Assassin!
Puis Oli, comment ça s'est passé? Ah ouais, j'avoue, j'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave, je t'en trouve une autre. Ok, David, là, c'est une joke, là, tu me niaises, tu m'as présenté un gars. C'est un travesti. Come on. Puis, t'habites-tu dans le coin? Ouais, je déménageais à Montréal il y a quelques mois. Ah, oh, c'est cool. Ouais, avant, j'habitais à l'extérieur de la ville avec mes parents, mais je pouvais pas habiter avec eux. Pourquoi? J'ai assassiné toute ma famille dans leur sommeil. J'ai des petites voix dans ma tête qui me disaient de faire ça. J'ai juste obéi. Ça, t'habites-tu dans le coin? Non. Non, pas vraiment. Disons que j'ai pas passé une très belle semaine. Oh, mais crois-moi, tout va s'arranger. Est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café ou quoi que ce soit, hein, c'est bon? Non, je tirais toutes ces filles cette semaine, puis un gars comme toi, ça m'intéresse pas. Ouais, allô, Olivier? Puis? Ah ouais, à ce point-là? Bon, ben, faut croire que t'es un cas désespéré. Bon, c'est ça. À plus! Rockin' the wolf on your noggin. What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's